Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez apprendre à découper une fleur de vie à la scie à chantourner. Voici le résultat final à partir d'une planche de pain. Avant de passer au tuto, je vais vous poser la question suivante. Pourquoi c'est intéressant de créer votre propre fleur de vie et quelles sont les limites? Alors vous le savez certainement, la fleur de vie est un symbole de géométrie sacrée qui est réputé pour ses ondes de forme agissantes. C'est-à-dire que ces ondes de forme vont agir sur l'environnement qu'il y a autour d'elles. Donc ça peut agir sur les aliments, sur l'eau, sur vous-même, sur une pièce. Et donc en fabriquant votre fleur de vie, vous aurez une décoration énergétique à moindre coût. Autre avantage, c'est que fabriquer votre fleur de vie, ça peut vous permettre une réduction du stress. Parce qu'en fait, vous allez mettre un certain nombre d'heures. Et ça va être un travail qui va être un peu long et minutieux. Et ça peut vous permettre d'atteindre la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est quoi? C'est le fait de vous concentrer sur l'instant présent, sur ce que vous êtes en train de faire. Donc en portant attention et intention à la fleur de vie que vous êtes en train de fabriquer, vous allez voir votre stress diminuer nettement. Ou pas. Vous allez être énervé parce que vous faites des erreurs ou que c'est pas aussi beau que vous l'auriez souhaité, mais bon. Le problème avec cette fleur de vie, c'est qu'elle sera forcément imparfaite, à moins que vous soyez super bon à la scie à chantourner, ou alors que vous soyez très minutieux. Il y aura forcément des différences avec une fleur de vie fabriquée avec une machine comme celle-ci. Je vous montre. Alors, est-ce que la perfection elle est importante pour les ondes de forme? On pense que oui. Parce que dans géométrie sacrée, avant tout, il y a géométrie. Et si on considère que c'est les formes qui agissent, la géométrie, donc celle-ci aura certainement un meilleur potentiel énergétique que celle-ci. Bon, par contre, l'avantage, c'est que celle-ci, vous l'aurez fait vous-même et vous serez fier de vous. Et c'est le principal, je pense. Personnellement, j'adore cette fleur de vie. Elle nous sert comme de soupe-plat, même si elle est moins parfaite. Bon, assez parlé, on passe au tuto, c'est parti ?